Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour papoter tricot et beaucoup couture ce matin. Ça y est, l'été est là, il fait beau, il fait chaud, donc voilà, il y a plus de couture que de tricot. Encore que en tricot, je me suis beaucoup éparpillée, donc il y a beaucoup d'encours, on va dire. Voilà, bref, on va commencer par la partie tricot. Je vous indiquerai le temps où débute la partie couture, pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et juste avant, je porte ma Suzon de République du Chiffon que j'ai cousue il y a fort longtemps, dans un tissu que j'avais trouvé au marché des Minguettes à Lyon, que j'adore. C'est mon amie Aurélie Lilico qui me l'avait offert et... J'adore ce tissu, j'adore cette Suzon, c'est fait partie des patrons, donc je me dis qu'il faudrait à chaque fois que je les refasse. Et... D'autres passent toujours devant, mais il faudrait que je les refasse. Voilà. Bon, alors, donc, en tricot, j'ai quand même un projet fini à vous montrer, qui est le Milady de Marie-Christine Lévesque, donc un pull qui est moins d'actualité tout de suite, avec son petit col cheminé, mais je serais ravie de le retrouver à la rentrée. Hein. C'est un pull qui m'avait fait vraiment craquer. J'aime beaucoup ces petits... ces détails, quoi. Il est assez simple, mais avec juste des détails qui changent. Et c'est un modèle qui est normalement tricoté en mélange lace-mohair. Donc ça fait un équivalent fingering en termes d'échantillon. Donc moi, j'ai choisi de le tricoter en laine de Heidi Heidi, et c'est du 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, donc c'est très très doux. C'est de la fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, et c'était le coloris lila. À vrai dire, j'avais vraiment craqué pour ce coloris, lila, quoi, comme son nom l'indique, c'est pas mal. C'est un coloris qui a assez tendance ce printemps. Et donc j'avais vraiment craqué sur les... Le coloris et j'avoue que la matière là me plaisait beaucoup. Je me suis dit que ça allait être tout doux, assez fluide de par l'alpaga et la soie, etc. Donc ça remplacerait bien le côté justement mélange fingering et mohair, puisqu'on retrouve un peu le côté poilu, vous voyez, avec l'alpaga, et puis très souple. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Et effectivement, je trouve que le rendu est bien. Alors, je vous montre. Oula, je fais tout tomber. Je vous montre mon pull dans le bon sens, voilà. Avec des petits fils partout, hein, pour changer. Donc. Oh, bah décidément. Voilà, il est trop beau. Il est trop, trop beau. J'aime beaucoup la couleur. J'ai alterné un peu les échevaux, mais bon, on voit qu'il y a quand même une belle unité, hein. Voilà. Et puis, sinon, c'est un pull qui, mis à part le col, les poignets, et puis cette particularité aux épaules là qui sont un peu bouffantes, et tout en jersey, donc finalement assez reposant. Alors, de mon côté, je l'ai tricoté en taille. Déjà, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,25 et pas des aiguilles 4 comme le préconise Marie-Christine. Moi, je tricote un peu moins serré qu'elle. Donc, bon, enfin, ça, c'est en fonction de l'échantillon. Et je l'ai tricoté en taille S. Voilà. Donc, pour une aisance positive d'environ 5 cm, ce qui est préconisé. Donc voilà, c'est un modèle qu'on commence donc par le... On tricote du haut vers le bas. On commence d'abord par monter les mailles du dos. On a quelques rangs raccourcis là. Et puis, hop, on tricote jusqu'aux emmanchures en faisant des augmentations pour les manches. Ensuite, on vient donc relever les mailles pour chaque épaule là, du demi-devant. On prépare l'encolure en faisant aussi des augmentations côté encolure. Et puis, de la même façon, on forme les emmanchures côté emmanchure. Quoi. On relève les mailles de l'autre épaule. On a toujours les rangs raccourcis, quelques augmentations. Et puis, arrivé là, on va monter les mailles qui manquent pour l'encolure et rejoindre l'autre épaule. Et donc, continuer
les deux devant ensemble en formant les emmanchures jusqu'à la hauteur, la même hauteur que pour le dos. Donc là, c'est un départ relativement classique, quoi. Ensuite, donc on remet tout en rond et donc on tricote en rond. Et là, c'est la mère de jersey. Voilà. C'était parfait pour les réunions, tout ça, tout ça. Voilà, on finit par des côtes de 2 assez longues, 5 cm à peu près. Et puis voilà. Alors après, c'est posé la question fatale, fatidique, de savoir si je faisais les manches qui, j'avoue, m'intriguaient beaucoup avec les petites manches ballon, là justement, ou le col. Mais de manière générale, j'aime bien faire les cols, les bandes d'encolure, tout ça avant, parce que c'est la chose que j'aime moins. Là, pour le coup, j'étais tentée, puisque c'était un col sympa, mais bon, je me suis dit, je vais quand même faire le col. Et donc, voilà, on relève les mailles pour le col. Et en fait, c'est vraiment un point assez simple qu'on retrouve dans plusieurs patrons. Donc, avec un jeu de côtes, puis à un moment, on fait un petit jeu, là, une petite dentelle particulière, à nouveau des côtes. Et puis, à la fin, on fait, en fait, pas mal d'augmentation, ce qui fait ce petit effet froufrou, quoi. Voilà. On rabat souplement et ça fait un petit effet froufrou parce qu'il y a beaucoup d'augmentation. Donc c'est un col, je trouve que comme ça, on se dit ça doit être compliqué. En fait, c'est tout simple, quoi. C'est marrant. Voilà. Et là, pareil, j'appréhendais pas mal les manches et tout, mais Marie-Christine d'abord nous fait un schéma de la manche en nous disant, bon, à partir de là... En fait, c'est juste un jeu d'augmentation, hein, entre là et là, pour faire le côté bouffant. Hein. Donc, qui est relativement simple, qui est très très bien expliqué. Donc, on fait en même temps, on fait un premier rang où on va faire les augmentations. Ensuite, c'est tout, c'est fini, quoi. Et on fait les rangs raccourcis, comme une manche montée classique. Voilà, quoi. Donc, en fait... Finalement, c'est tout simple, hein, c'est pareil. Moi, je me disais, oh là là, ça va être compliqué et tout. Puis finalement, pas du tout. Et une fois qu'on a donc fini les rangs raccourcis, on tricote la manche en rond. Hop. Et vous voyez qu'elle est toute droite, il n'y a pas de diminution. Donc du coup, ça c'est pareil, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est très bien. Arrivé donc à la taille préconisée, là pour le coup, on a beaucoup de diminution. Vous voyez que la manche se rétrécit beaucoup. Et en fait, on retrouve... c'est le même point que pour le col, sauf qu'on le fait un peu plus. Alors, je sais pas si on va voir. Vous voyez, là, on le fait une fois, et là, on va le faire plusieurs fois. Et de la même façon, à la fin, on finit par les mêmes petits froufrous, là, en faisant pas mal d'augmentation. Et je trouve ça très, très joli, ces petits poignets comme ça. J'avoue que ça m'a donné bien envie de le refaire. Ce genre de choses. Bon, et bien sûr, on fait pareil pour la deuxième manche. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était très sympa à tricoter. D'abord parce qu'à la fois, il y a des choses intéressantes. À la fois, il y a aussi... moi, de temps en temps, j'aime bien voilà, un peu une mère de jersey. Ça permet de lire un livre aussi en même temps. C'est sympa. J'avais peur à un moment de manquer de laine. Et puis finalement, oui, il me reste ça. Et j'avais pris 3 échos. Donc, il m'en reste quand même pas mal, hein. Voilà, la laine est vraiment vraiment douce. Vous voyez, je trouve qu'effectivement on a une belle fluidité. Et c'est pareil, je m'étais dit, elle est assez fine en fait au départ. Et je me disais en 3,25, bon c'est quand même, on voit pas à travers, mais voilà. Mais en fait, elle a bien gonflé. Je trouve que le point est juste bien là. Voilà. Alors, je le passe, malgré la chaleur, je vais pas le garder longtemps, pour vous montrer quand même comment il tombe. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Je suis ravie du résultat. Oui, je trouve qu'il est pas trop... Voilà, je trouve que le petit col tombe vachement bien. Donc il est suffisamment près du cou pour tenir, mais en même temps on n'est pas du tout serré, hein. Alors vraiment pas, d'abord c'est souple le tricot, en plus justement le rang de rabat est très souple et il y a beaucoup d'augmentation. Pardon, j'ai ouvert la fenêtre, il y a un peu de bruit. J'adore les épaules, voilà, je trouve qu'elles sont pile comme il faut, elles tombent très bien là à mes épaules, et puis il y a juste ce qu'il faut de petits froufrous, quoi. Donc, vous voyez que c'est pas un pull qui est
Hein, il n'y a que 5 cm d'aisance positive, hein, donc il n'est pas très ample, mais du coup, c'est assez flatteur. Il n'est pas trop long non plus, je trouve. Et les manches, là. C'est trop beau. Bon, autant vous dire que je l'ai porté à peine une fois, j'avais envie de dire. Parce que vraiment, j'avais trop envie une fois qu'il était bloqué. Mais malheureusement, il fait chaud. Hein. Là, l'alpaga, c'est bien chaud. Et avec le col, là, vraiment, ça va être top pour l'hiver. Bah, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est un modèle qui est à la fois original, mais en étant facile à porter. Voilà. Donc, j'ai déjà prévu une jupe pour aller avec pour cet hiver, mais bon, du coup, ça attendra un petit peu. Hein. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'étais ravie de tricoter ce modèle, comme toujours avec les modèles de Marie-Christine. Je trouve qu'ils sont... Ils sont bien faits, il n'y a pas de. Il y a suffisamment d'explications sans qu'il y en ait trop, sans que. Voilà, et c'est très clair. Donc, vraiment, j'adore ce pull. Et j'ai hâte de pouvoir le porter. Enfin, non, en fait, je suis contente que ça soit l'été, mais je serais ravie de le porter l'automne, l'hiver prochain. Voilà pour les projets finis. Et par contre, comme je vous disais, c'est un peu l'avalanche d'encours. Alors, il y a des encours dont je vous avais déjà parlé, qui ont forcément pas non plus énormément avancé, vu qu'il y en a plein d'autres qui se sont greffés. Je vais vous montrer quand même un peu. Je ne sais pas si j'ai la page. Si, j'ai le Yoki de Marguenet, donc Marianne Munier, qui est sorti dans le... Ah, ça y est, j'ai encore oublié son nom. Making Story, le dernier Making Story, que je tricote en Ulysse de Dererum Natura, et que... Ce pull là, je sens que. Enfin, je l'adore, je trouve, mais tellement beau ce point. Je vous jure, je me lasse pas de l'admirer. Alors voilà, j'ai pas beaucoup avancé depuis que je vous ai mis une photo sur Instagram. J'ai fait quelques rangs là sous les emmanchures. Et je vous avais dit au départ, c'est quand même un tricot qui est pas évident parce qu'en aller-retour, il faut quand même. Du coup, on n'a pas le diagramme sous les yeux, on peut pas le lire hein, quand on est sur un rang retour où concrètement on voit rien. Maintenant que c'est en rond, c'est plus simple parce que le voilà pour le coup là la grille se lit bien, c'est très répétitif, donc on peut facilement savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fil hein, vraiment, la Ulysse comme la Gilliatt, c'est des fils qui sont légers, très chauds, un peu rustiques, j'aime bien cet aspect là et ça je pense que ça va être le pull que je vais prendre cet été pour la montagne, etc. Avec sa couleur, il va aller avec tout, ça va être parfait. Donc lui, c'est le prochain que j'aimerais bien finir, là, quand même. Hein. Ça serait pas mal. J'ai aussi un petit peu avancé le Stone Crop de Andrea... oui, Andrea Mori. J'allais dire Andrea René. Non, c'est Drea René Nitz, Andrea Mori. Je vous l'avais déjà montré aussi. Et là, j'ai un peu avancé le corps. C'est un modèle que j'aime beaucoup tricoter, je trouve que c'est très sympa, c'est très motivant. Il y a plein de petites sections. Alors attendez, il faut que je retrouve là. Bon, je trouve pas le grand modèle, mais c'est ce pull-ci là, le Stone Crop. Que moi je tricote avec deux laines, un fil de The Uncommon Suede, donc qui est de Merino classique. Voilà, dans ce magnifique bleu un peu pétrole qui s'appelle. Naval Officer. Ouais, il est trop trop beau. Et avec cet écheveau de Chopin voleux, là, qui est donc très varié, qui est censé remplacer les écheveaux, là, comment ils s'appellent, ceux-là ? Enfin, c'est une laine qui est filée main, etc., et qui a cet aspect, justement, de changer plusieurs fois de couleur et un peu bigou, là, bicolore. Donc ça remplaçait bien... ce fil là et donc le pull, vous voyez là j'ai un peu c'est dans ce sens là j'ai pas mal avancé finalement parce que c'est très très motivant on a envie à chaque fois de voir les couleurs que vont prendre le fil puis c'est des toutes petites sections en réalité hein, parce qu'il y a quelques rangs de jacquard là il y a un peu de texture on la voit un petit peu. À nouveau du jacquard, un petit rang de texture, jacquard. Là, on a le fameux rang bubble, alors qui après être
passé rond d'une mi-temps de foot est en train de passer rond match de Roland-Garros. Voilà, je suis une grande sportive. Devant ma télé. Mais alors bizarrement, là, comme je commence à... Hein, j'ai bien compris comment faire les bubbles, c'est moins pénible déjà. C'est bon, là, hein, à force d'avoir fait 3000 bubbles. Je sais comment les faire. Je trouve qu'elles rentrent vraiment bien, ces bubbles au crochet. Elles sortent bien et tout. Donc ça, c'est agréable. Parce que ce que j'aime pas aussi souvent dans les bubbles, les nopes, quoi, c'est que, d'abord, c'est pas très... Enfin, j'aime pas beaucoup les faire. Souvent, il faut faire... tricoter 3 mailles à l'endroit, retourner le projet, les tricoter à l'envers, retourner, machin, et en fait on fait plein de retournage. Bref, plein de salamalek avec le tricot, et je trouve ça pénible, et en plus le résultat n'est pas forcément top. Alors là on fait quand même pas mal de manips, mais au final, comme c'est avec un crochet, on n'a pas besoin de retourner tant et plus le projet, je suis pas sûre que ce soit plus long du coup, hein. Et je trouve qu'elles sont, vous voyez, elles ne s'est pas bloquées, hein, je les ai pas tirées, et elles sortent vachement bien. Elles sont toutes mimi. Voilà, donc là... Bon, ça fait un... Oula, j'ai perdu des mailles, ça va être sympathique, ça. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas repris parce que... j'ai d'autres choses qui ont commencé. Mon Dieu, cette catastrophe. Oula là là là, j'ai perdu plein de mailles. Bon, j'ai ramassé mes mailles, là, c'était la cata. Donc voilà, oui, là, pour l'instant, il attend d'être repris avec impatience. Mais... Et je le trouve vraiment très, très marrant à tricoter, quoi. Oui, j'ai hâte, là, d'arriver à ce... Et à chaque fois, on voit la pelote est en bobine. Alors là, non, parce que je m'aillis un peu, voilà. Mais sinon, on voit, en fait, les prochaines couleurs qui vont arriver. Vous voyez, c'est bobiné un peu par tranches de couleurs, quoi. Et du coup, ça donne vraiment envie, quoi. C'est assez motivant. Voilà. Donc oui, je vous ai dit que c'était un peu... voilà, il y avait plein d'encours qui avaient sauté sur mes aiguilles, dont des tests auxquels je n'ai pas pu résister. Le premier étant le Lady Magdalena, le triple L de Mag. Bah, forcément, quoi. Comment passer à côté du Lady Magdalena, quoi. Vous savez que Magdalena, c'est... Voilà, une belle rencontre et... etc. Donc j'ai pas pu résister, d'autant plus que je trouvais le modèle très sympa, et puis voilà, c'est son pull. Donc voilà, et alors c'est un pull très texturé, et en fait dès qu'elle a montré les premières photos, et ça tombe bien, c'était ce dont j'avais envie, enfin j'avais envie d'un pull texturé pour utiliser des échois speckle, j'avais envie de speckle en ce moment, je pense que j'ai besoin d'une petite dose de bonne humeur, de peps, de... voilà. Et du coup, c'est vraiment tombé pile poil, et c'était pour utiliser des échevaux de la bien-aimée que j'avais depuis je sais pas combien de temps, parce que les échevaux de la bien-aimée, j'ai toujours tellement peur de me louper que je réfléchis à 15 ans avant de les utiliser. Donc c'est la Merino Single, coloris Pop Grunge. Pop Grunge, c'est... J'ai encore un écheveau pas bien, tiens, vous allez voir. C'est de la bonne humeur en barre, quoi. Hein, très joli gris, plein de speckle, on est dans le fluo, dans le peps, dans le... Voilà, j'avais vraiment envie, besoin de tricoter une petite dose de... Hein, y en a qui prennent de la drogue, moi je prends de la laine. Bref. Et je me suis dit qu'avec cette texture, ça allait être parfait. Voilà. Donc j'ai commencé. Et puis en fait, ça, c'est un modèle qui se déroule assez vite, qui est vraiment voilà, simple à faire et sympa, donc du coup j'ai pas mal avancé. Donc, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On fait, vous voyez, tout de suite la bande de côte. Est-ce qu'on a des rangs raccourcis? Certainement un petit peu. On a des raglans que j'adore ces raglans. Je trouve très 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 joli. C'est raglan, et puis on a ce point texturé qui est un point relativement simple à faire, mais qui du coup c'est toujours pareil quand il y a un petit point comme ça qui est assez facile et relativement répétitif, ça motive, quoi. Donc voilà. Donc là je suis arrivée juste à la séparation du corps, vraiment juste, hein. Et puis ça va, voilà. Du coup là j'en suis au stade où c'est un tricot facile à transporter, facile à tricoter, voilà. Je me suis un peu... Vous voyez que le haut, j'ai pas alterné les échevaux, là.
Et là, j'ai introduit un nouvel écheveau. On voit, il a beaucoup plus de speckle. D'habitude, j'alterne plus tôt. Là, j'avais pas bobiné le deuxième écheveau et j'avais la flemme de le faire. Enfin, bref. Donc, ça se voit. C'est toujours pareil. Ça se voit beaucoup plus à la caméra. Après, bon, je me dis, je pense qu'après, sur l'ensemble du pull, ça sera pas gênant, quoi. Enfin, voilà. Moi, c'est pas le genre de choses qui me gênent beaucoup. Et je trouve pas que ça soit non plus la cata parce qu'il y a quand même là quelques speckles. Alors là, on voit qu'il y en a un petit peu plus, mais bon. Donc, maintenant, j'alterne. Voilà, celui-là, le nouveau, là, effectivement, on voit, il y a beaucoup de speckles. Celui-là, et que j'ai coupé parce que, du coup, je veux le garder pour continuer un peu les manches. Et je vais bobiner le troisième pour alterner ces deux-là, quoi. Voilà. Et bah, je trouve, voilà, il va être bien souple, très agréable. Et là aussi, c'est... Je suis contente de retricoter des speckles. C'est quand même bien gai, tout ça. Toutes ces petites touches de couleur. Donc ça c'est un premier test auquel je n'ai pas pu résister, hein, vous imaginez bien. Alors j'ai un petit peu de temps parce qu'il est pour l'anniversaire de Mike, donc voilà. Et puis j'ai eu une proposition de test de Macha, mais vraiment je suis incapable de dire son nom, qui est donc une Russe. J'avais tricoté déjà son gilet, c'est Not a Day Without Knitting sur Instagram. Que j'adore un gilet avec deux brins de mohair ensemble, blanc, et que j'aime beaucoup beaucoup, qui fait très un petit côté un peu Cézanne, enfin voilà, à la fois aérien mais avec des jolis points, j'aime beaucoup. Et là, elle m'a proposé de tricoter son dernier pull, et j'avoue que j'ai pas beaucoup résisté parce que je trouvais magnifique. Voilà. Je lui ai juste dit, il faut que j'ai ce qu'il faut dans mon stock parce que. Voilà, l'idée c'est quand même de pas trop racheter. Et heureusement, comme j'ai un magasin à la maison, je lui ai fait plusieurs propositions parce qu'elle aime bien donner son avis sur les laines qu'on utilise pour que ça corresponde à ce qu'elle a en tête. Et voilà, on a trouvé quelque chose. Donc c'est parfait. Alors, la photo est toute petite pour l'instant. C'est le Daphna Sweater. Je sais pas si vous allez voir. On voit pas grand-chose, hein, sur la photo pour l'instant. Donc c'est un pull qui se tricote. Alors normalement c'est pareil avec deux fils ensemble, c'est ça? De mohair. Ou du brushed alpaga silk de Drops. Moi j'avais pas ce qu'il fallait dans ça, mais par contre je me suis dit que ça pouvait forcément. Enfin forcément. Où est-ce qu'il est les cheveux là? Voilà. Que je pense que ça pouvait être remplacé par du baby suri alpaga. Parce que bah, finalement, c'est un peu ça le drops. Enfin, c'est de l'alpaga aussi, un peu poilu, etc. Et j'avais en stock 4 écheveaux de Fisherman Lace, coloris lyre. Donc, non superwash, baby suri alpaga 74%, 26% de soie. Et c'est 300 mètres au 50 grammes. Voilà. Donc, c'est un fil très, 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 très. Poilu, assez aérien, c'est le baby suri qu'on trouve de plus en plus dans pas mal de teinturières. Et donc j'avais cela en stock, donc c'était parfait. Puis je me suis dit en plus en gris comme ça, le pull il va être top. Alors c'est un pull qui est assez compliqué, il y a plein de points, mais le patron tient sur deux pages, l'efficacité russe, hein. Et qui a plein plein de dentelles, etc. Il se tricote avec des grosses aiguilles, puisque c'est des aiguilles 5, donc ça. Voilà. À la fois, ça peut aller assez vite. À la fois, j'ai trouvé. Donc, ça, on commence par les manches. Il se tricote du bas vers le haut. On commence par les manches. On tricote les manches. Et ensuite, on tricotera le corps. Et puis, on remettra tout sur les aiguilles. Donc, je me disais que ça allait être rapide à tricoter. Et ça n'allait pas tant que ça. Le fil n'est pas. Ça s'accroche un peu pas mal. Avec la dentelle, on a du mal quand même à voir. J'ai pas forcément réussi à prendre entre guillemets la dentelle. Enfin, fallait quand même que je regarde la ligne. Avec, je vous dis, ce fil très très poilu, on voit pas forcément. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a une torsade aussi, vous voyez. Il y a deux torsades, plein de dentelles. Donc, finalement, c'est un peu plus long que ce que j'avais pensé. Mais enfin, bon, voilà. Oui, j'ai fini une première manche. On commence par des côtes torse. 1, 2, donc là en petites aiguilles, et puis après la manche est toute droite avec cette dentelle tout du long, quoi. Voilà.
Et donc ensuite, on met en attente. Voilà. Et puis, j'ai commencé la deuxième manche. Tout juste. Et donc ça, pour le coup, c'est pas un tricot Roland-Garros compatible, quoi. Hein. Je peux pas regarder et la balle et ça, là, ça va pas du tout. D'où aussi, je pense, le fait qu'il a pas avancé aussi vite que ce que je pensais. Voilà, voilà. Mais je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça hyper joli. C'est très très doux. C'est très très doux, cette... voilà. Et très léger, du coup, forcément. Hein. Mais en même temps, je pense que ça va être chaud parce que bah, parce qu'il y a de l'alpaga, parce qu'il y a de la soie. Et oui, ça va faire un rendu vraiment sympa, je pense. Hein. Voilà. Donc, alors lui, c'est un peu plus pressé. Donc, c'est lui que j'avance un peu en ce moment parce que ben, c'est pour le 21 juin, je crois. On est le 12, tout va bien. Tout va bien. Aussi, mais j'ai à peine commencé les chaussettes élastomères dans le cadre du cal bien calé dans ses baskets de Lissandre avec Madeleine et Philibert. Mais là, du coup, effectivement, pour l'instant, elles attendent un petit peu que le pull en surie, en baby surie, soit plus avancé. Voilà. Eh bien, on va donc passer à la partie couture. Alors, en couture, la première chose dont je vais vous parler, qui est un peu un événement, c'est le maillot Hello Sunshine de Liz Taylor que j'ai eu la chance de tester pour elle. Regardez-moi cette pochette trop mimi. Donc le maillot Hello Sunshine, c'est le nouveau patron qu'elle a sorti pour aller avec ses nouveaux tissus, les lycras, donc spécial maillot. Voilà, et c'est un modèle qui est proposé donc avec deux formes de bas. Et bon, une seule forme de haut, mais on peut ne pas mettre le volant, par exemple, ce genre de choses. Il est proposé de la taille 1-4 pour la poitrine, moi j'ai fait la taille 2. Et pour le bas, du 34 au 48, moi j'ai fait le 38. Voilà. Donc nous, quand elle m'a proposé le patron, j'avoue que j'étais un peu inquiète, parce que moi j'ai cousu un maillot il y a 4 ans, je crois, qui n'était pas une franche réussite, quoi. Hein. J'ai porté parce que je l'avais cousu, parce que j'aimais trop le tissu, et parce que, voilà, mais bon, clairement, voilà, il n'était pas très, très bien fini, très, très bien fait, voilà, je me souviens que j'avais beaucoup de difficultés à coudre l'élastique, à avoir de définition propre, j'avais des faits, c'était vraiment pas une partie de plaisir à porter, et puis pas quelque chose dont j'étais très fière pour le coup, parce que vraiment les finitions me plaisaient pas, quoi. Donc là, je me suis à la fois dit, bon, j'y vais quand même un peu rassurée, parce que vu la qualité des explications dans Belle des Champs, par exemple, je pense que là, enfin voilà, j'avais bon espoir de retrouver la même qualité, et donc que ça serait plus facile. Et puis c'était quelque chose auquel je voulais me refrotter depuis longtemps parce que j'aime pas rester sur des échecs et tout, donc voilà. Et alors j'ai pas été déçue en effet de la qualité d'explication, vraiment. Tout est hyper bien expliqué, il y a tous les repères, les longueurs d'élastique, c'est pas juste par exemple la longueur de l'élastique de la cuisse, c'est la longueur de l'élastique de la cuisse devant, les longueurs d'élastique derrière, avec des crans partout, donc ce qui fait que on peut pas se tromper, on peut que bien les positionner. Des détails du genre la doublure du maillot, puisque le maillot est entièrement doublé et un peu plus petite que le tissu extérieur, de façon à ce que la doublure n'apparaisse pas sur l'extérieur, mais elle nous dit bien c'est normal, on va commencer par les coudre ensemble de telle façon, etc. Tout est vraiment super bien expliqué et voilà, je ne vais pas vous dire que c'était d'ailleurs un niveau expert, hein, que c'était facile, enfin c'était pas très difficile, mais c'était pas infaisable, quoi. Vraiment, c'était les explications rendent les choses claires. Et à aucun moment, je me suis sentie perdue, j'ai galéré. À aucun moment, j'ai dû défaire. Voilà. Donc vraiment, je suis hyper contente et j'ai envie d'en coudre plein. Ça tombe bien, il fallait que je me rachète des maillots cette année. Ben, je vais me coudre plein de maillots. Donc, le premier que j'ai cousu, qui est donc dans ce tissu-là, qui a la viscose assortie. Hein. Et donc, vous voyez, c'est un modèle un peu, je sais pas comment dire, un peu pas triangle, mais bon, voilà, avec des nouettes
à nouer autour du cou et pareil dans le dos. Voilà. Il est donc entièrement doublé. Donc voilà, on met avec de la laminette là tout autour, ce qui fait qu'il y a un bon maintien. La laminette d'ailleurs, ça aussi, j'avais utilisé quand j'ai cousu mon premier maillot là, il y a 4 ans, de l'élastique classique, et avec la laminette c'est quand même d'abord finalement plus, j'ai trouvé plus simple à poser, et puis c'est plus fin, c'est plus agréable quoi. Enfin, je l'ai essayé comme ça, cela dit, j'ai pas testé au porté, mais bon, c'est ce qu'on retrouve dans les maillots du commerce, quoi. Donc, voilà. Donc, tout est bien expliqué. Elle propose une couture ou à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Alors, moi, j'ai essayé au début à la surjeteuse, mais c'est quand même je maîtrise moins bien la surjeteuse que la machine à coudre. Et donc, au final, j'ai tout fait à la machine à coudre. Je trouvais que ça... voilà, on a plus de finesse, quoi, de précision à mon sens, avec la machine à coudre. Donc en tout cas, j'y suis mieux arrivée, ce qui ne veut pas dire que les prochains, je ne retenterai pas la surjeteuse, parce qu'encore une fois, c'est un challenge, et voilà. Mais voilà, donc vous voyez, je trouve que les finitions sont vraiment bien. Voilà, enfin, moi, je suis relativement contente de mes finitions. Donc le volant, on peut ne pas le mettre si on veut. Moi, je trouvais ça joli comme tout. Et puis voilà, la taille convient bien. Pardon pour les bruits. Voilà, je trouve très joli le décolleté. Donc, je suis ravie. Pour le bas, moi, j'ai choisi la culotte à nouettes. J'aimais beaucoup ça. Donc là aussi, vous voyez, c'est entièrement doublé. Là aussi, on a de la laminette partout, là. Et puis, les petites nouettes... c'est le même système que pour le devant, hein. Donc en fait on fait plusieurs fois ce système de petites nouettes où elle nous dit bien de mettre la couture des nouettes, vous voyez, au milieu d'eau, histoire qu'on ne les voit pas sur le côté, et voilà, c'est très très bien fini. Il n'y a pas de couture apparente là, enfin voilà quoi. Les élastiques, c'est pareil, j'appréhendais beaucoup parce que j'avais déjà fait, je vous dis, mon précédent maillot, ça gondolait à mort et tout. Là, vous voyez, je trouve que c'est pas mal. Je trouvais que les élastiques étaient un petit peu larges dans la version... Enfin, un petit peu... Pour moi, c'était un petit peu trop grand dans la version définitive. Elle a réduit un petit peu la taille des élastiques. Donc, voilà. Après, il n'y a pas de souci pour le porter, mais les prochains, effectivement, je prendrai les mesures revues. Voilà, donc la culotte était assez facile, alors que j'appréhendais vachement, et finalement c'était presque plus facile que le haut, quoi. Voilà, alors l'autre, faut dire aussi que là avec ce système c'est peut-être plus simple avec les nouettes que l'autre forme qui est donc, là on voit mieux, il y a des volants, donc celle-là j'ai envie de la faire aussi, il me reste un peu de tissu, donc comme ça me fera deux bas pour aller avec le haut, je trouve que c'est sympa, et puis de toute façon voilà, j'ai racheté d'autres motifs pour faire d'autres maillots, notamment le haut. Je pense aussi le refaire, pourquoi pas peut-être en ajoutant une petite pince pour permettre un peu plus de volume, parce que moi j'ai la poitrine un peu, voilà, quatre enfants qui sont passés par là, bref, il faut la pimper un peu, hein. Donc je rajouterai peut-être une petite pince, voilà, mais j'aime beaucoup la forme. Je pense, oui, tenter celle-là pour tenter, mais voilà, moi, ça me plaît beaucoup, cette forme-là. Et alors, j'avais peur, vous voyez, elle fait... enfin, on peut avoir l'impression sur le dessin qu'elle est très échancrée, etc. Moi, je trouve qu'elle est toute... Enfin, elle n'est pas du tout olé olé. Elle est certes plus échancrée, bien évidemment, mais il n'y a pas de souci, elle est suffisamment couvrante et je ne trouve pas du tout... Enfin, je l'assumerai tout à fait à la plage, quoi. Voilà. Donc en revanche, là, tout de suite, je ne vais pas l'essayer pour la première fois. Mais je trouve qu'il va très très bien. Vraiment un plaisir à faire. Et pour vous dire, même Faustine m'a demandé un maillot aussi. Voilà. Donc, et du coup, je me sens suffisamment en confiance pour essayer de lui coudre un maillot. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle veut exactement. Je pense que la culotte lui convient peut-être sans les nouettes. Et le haut, je ne suis pas sûre qu'elle veuille le volant avoir.
ni que la... Mais je pense que la plus petite taille, ça peut lui aller, voilà, à voir. En tout cas, c'est sympa. Et bon, j'espère avoir le temps de coudre toutes ces versions de maillot avant les vacances. Voilà, donc vraiment, je vous le conseille. Et puis les tissus, bon, alors c'est pareil, je ne l'ai pas porté. Hein, on n'a pas été ni à la plage ni à la piscine, donc je ne peux pas vous dire sur la durée. Mais en tout cas, la qualité, là, comme ça, top. Et puis à travailler, vraiment, pas difficile. Enfin, j'appréhendais beaucoup et non. Il était plus épais, oui, que celui que j'avais dans lequel j'avais cousu mon maillot il y a quelques temps, donc plutôt plus facile à travailler. Donc voilà. Voilà pour ce maillot Hello Sunshine. Alors ensuite, je vais quand même vous... Hein, ça faisait longtemps, je sais pas si je vous ai montré la dernière fois la box de Monasio. Alors je suis un petit peu en retard, ça c'est MS Serena, qui doit être la box de... Je ne sais plus. Avril. Donc, vous voyez, oui, je suis un petit peu en retard. Voilà, nous on ne dira pas que nous sommes le 12 juin, mais bon. Alors là, c'est pareil. J'étais vraiment à la fois très contente du tissu parce que c'est pas. Il est gay, original, enfin voilà. Et la forme, j'adore, un peu rétro comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là, j'ai déjà prévu de me la refaire. C'est sûr, j'hésite juste sur quel tissu parce que je voudrais la faire dans trop de tissus. Et elle, du coup, c'est une robe qui est très facile à faire. Hein. Il y a des pinces devant, dans le dos, là, et puis le reste, c'est une jupe toute simple. Et les manches, vous voyez, sont... Il n'y a pas de manches à coudre, donc c'est très, très simple, quoi. Donc, comme d'habitude, j'ai fait la taille 38. On avait, donc, dans la box, le tissu, le fil, les boutons, voilà. Donc, vraiment un modèle hyper rapide à faire, voilà, aucun souci. Voilà. Alors, je vous montre. Et alors, elle est très très légère, là, avec le temps qu'il fait, là. C'est top. C'est un crépon de viscose. Donc, c'est vraiment très très léger, quoi. Vous voyez ? Sans être transparent, hein. Vous voyez que là, on voit pas ma main du tout. Mais c'est hyper hyper léger, hyper aérien, ça. Oh, pour les chaleurs, c'est top, quoi. Alors, elle est peut-être moins... Là, elle fait presque très très froide. C'est un peu moins froid que ça. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment la robe toute simple. Le haut, donc en une seule pièce, là, avec les manches, je vous disais. On retrouve les pinces. Là, devant, il y en a deux. Et dans le dos, il y en a deux aussi. Est-ce qu'on va les voir? On les voit, on les devine, là. Hein. La jupe d'eau, qui est donc une jupe un peu, comment on peut dire ça? Oui, trapèze, voilà, légèrement évasée, donc toute simple. La jupe devant, qui est pareille. Et puis, donc, on a une parmenture voilà, d'eau et des parmentures devant qui courent, hop, tout le long. Voilà, avec, qui reprennent là. Les boutons. Donc vraiment un modèle très très simple et rapide à faire. Les manches ont fini par un ourlet double tout simple et pareil en bas de la robe. Petit ourlet tout fin. Donc les boutons, hop, qui étaient fournis. Des jolis petits boutons un peu bottines qui font bien l'esprit rétro aussi. Alors il y en a beaucoup à coudre par contre. Donc ça, moi qui suis jamais... fan de coudre des boutons, bon voilà, ça en faisait beaucoup et voilà, je trouve que vraiment c'est un modèle qui est simple, efficace, qui est très saillante, là je vais vous montrer, donc je trouve qu'elle est très très sympa et voilà, j'aime beaucoup, comme d'habitude les explications sont, bon le modèle est simple hein, mais les explications sont bien faites, il y a des tas de schémas si on veut adapter ou quoi, donc voilà, encore une fois, j'étais ravie par ce patron qui, voilà, qui, en plus, je vous dis, le patron plaît beaucoup et je le referai. Alors, je l'essaye. Voilà, oh, c'est tellement agréable à porter, c'est tellement léger ce truc. Donc, vous voyez, je trouve que l'encolure, bah, comme toujours, ça tombe bien. Elle est suffisamment profonde sans être indécente. Voilà, hop. La taille tombe bien et je trouve ça...
Voilà, je trouve qu'elle est très saillante. Je fais un petit tour sur le canapé. Vous voyez, longueur un peu rétro, justement. Voilà. Donc, je trouve qu'elle est très très bien. Pour la petite histoire, je la passe sans défaire les boutons. Donc, si on veut ne pas faire les boutonnières et coudre juste les boutons, on peut. Voilà. Alors, faudrait pas plus. Faudrait pas qu'elle soit plus serrée. Le tissu étant un petit peu élastique, ça passe. Peut-être qu'avec un tissu plus qui a plus de structure, ça passe moins. Mais là, en tout cas, ça passe quoi. Et voilà, je trouve que vraiment elle est très saillante, elle est facile à faire, facile à porter, facile à vivre. J'aime beaucoup. La seule chose, c'est que je suis une mauvaise élève et que j'ai pas lavé mon tissu avant. J'avoue que je ne le fais pas toujours. Voilà. Et Mouna disait que la sienne avait rétréci et était arrivée au-dessus du genou. J'espère que ça ne m'arrivera pas parce que j'aime beaucoup cette longueur, justement. Voilà, d'abord c'est un peu côté rétro que j'aime bien en ce moment, hein. Et puis c'est très pratique à porter, voilà, on se pose pas de questions, il n'y a pas de doute sur c'est trop court, c'est pas court, machin, donc voilà, donc ne faites pas comme moi. Voilà, mais ça m'énerve, ça m'agace tellement de laver les tissus avant, parce que souvent je suis, voilà, bref. Est-ce qu'on reste dans Mounassiou? Oui, allez, restons dans Mounassiou, hein. J'ai cousu une scarlette. Alors là, j'ai ma technique là. Une chemise scarlette, donc c'est un patron Mounassiou que j'avais déjà réalisé version manche longue cet hiver. Et je suis partie de ce patron. Là, l'idée c'était que j'étais tombée sur une photo sur Instagram d'une boutique en ligne qui s'appelle Simple Rétro, je crois. Enfin bref, la photo m'avait beaucoup plu et c'était une chemise un peu voilà, col comme ça, col tailleur quoi, mais avec des froufrous et puis les manches bouffantes un peu comme on fait maintenant. Donc je me suis demandé de quel modèle partir et puis bon, voilà, cette chemise Scarlett m'est venue en tête comme en plus je sais, enfin voilà, je l'avais déjà faite, je sais que les patrons de Nation me vont plutôt bien pour mes mensurations, etc. Donc voilà, je suis partie là-dessus et j'ai juste ajouté donc les froufrous au col et puis j'ai modifié les manches pour avoir ce que je voulais. Et j'ai utilisé une viscose Mounassiou, justement, parce que je trouvais que ça lui allait bien, ça faisait justement le petit côté rétro. Voilà, donc vous voyez qu'on retrouve le col tailleur de la Scarlett, mais j'ai ajouté partout un petit froufrou. Donc là c'est juste deux bandes cousues endroit contre endroit que je suis venue froncer et que je suis venue coudre en cousant les deux cols ensemble quoi, et en venant mourir là pour vous voyez le volant diminue, hop, donc on retrouve le froufrou, voilà. Et puis donc ce que j'ai modifié aussi ce sont les manches, c'est à dire que j'ai gardé les manches tout simplement hein, de la chemise classique. Et je suis partie droit là. J'ai laissé donc une grande marge pour pouvoir faire un revers, y insérer une coulisse pour l'élastique. Et voilà, ça fait des petites manches un peu bouffantes et tout, comme on voit aussi en ce moment. Voilà, sinon le reste, c'est la chemise Scarlett classique. Donc il y a des pinces. Est-ce qu'elle a des pinces d'ailleurs? Non, je vous dis n'importe quoi, elle n'a pas de pinces. Donc c'est la chemise Scarlett simple, voilà, devant, avec dans le dos cette découpe là un peu. Alors du coup je me suis demandé si je la faisais parce que pour le coup je trouvais que ça faisait pas spécialement rétro, mais enfin bon, voilà. Et puis donc la seule difficulté de ce modèle c'est le col, voilà, le châle là, donc pour lequel il faut être bien minutieux, bien finir dans l'angle. Donc ça, j'ai trouvé que j'étais plutôt, c'est plutôt mieux que celui que j'avais fait la première fois, donc voilà, hein. J'étais pas mécontente de moi, voilà, sachant qu'il y avait les froufous en plus à gérer. Bon, donc on a la parmenture en fait, enfin le col tailleur qui, il y a une version intérieure qui fait toute la parmenture là, voilà.
Et puis, pour les boutons, eh ben, j'ai, comme souvent, fait confiance à mon amie Pauline de la mercerie La Rochelle. Je lui ai envoyé une photo de mon chemisier et elle m'a dégoté ces petits boutons que j'aimais beaucoup. En plus, on voit, ils sont un peu... Voilà, je trouvais qu'ils avaient aussi un petit côté rétro, un petit côté rose pâle et un peu blanc qui rappelait les fleurs. Enfin, ça me paraissait très bien. Voilà. Et alors, j'ai beaucoup de questions sur comment je fais, puisque Pauline n'a pas de site. Mais Pauline montre des tas de choses sur Instagram et je craque régulièrement sur ses photos. Je lui dis, ça, je veux bien. Voilà, et puis parfois, comme là, je lui dis, bah, est-ce que tu n'aurais pas des boutons en stock qui iraient avec? Et fort gentiment, elle cherche pour moi les boutons. C'est hyper... c'est trop bien. Shopping personnalisé comme ça, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je suis ravie de cette petite chemise. Donc là aussi, j'ai fait la taille 38. Voilà, j'étais contente de me refrotter au col tailleur et puis de réussir finalement à gérer ce avec le froufrou. Là, ça me faisait un peu peur, là, la difficulté ici, etc. Mais je trouve que pas trop mal. Voilà, et comme il me restait un petit peu de tissu et que je venais de coudre il n'y a pas longtemps les tops... c'est quoi, c'est Mars du coup? Le caraco Elisa. Je vais encore faire du bruit, pardon. Le caraco Elisa de la box de Mars, oui. C'est écrit, c'est bien. Hop. Je suis hyper contente hein, vraiment de ce top là. Je dis jamais plusieurs fois mes versions sous des pulls ou sous des tops un peu transparents ou machin. Ça utilise très très peu de tissu, ça finit les restes et c'est fait en 2 secondes, 30. Donc là je me suis dit, allez, zou, je m'en fais un. Hop, avec mes chutes. Et vraiment, c'est fait hyper rapidement. Le petit caraco, voilà, avec ses pinces, les bretelles qu'on retourne, là, avec le retour de machin spécial. Il y a une parementure donc, dans le dos qui est droite, puis devant qui est en V. Donc, vous voyez que c'est... Là aussi, on finit avec un revers, donc c'est très, très bien fini. Un petit revers... petit ourlet tout simple à la fin. Et voilà, c'est vraiment fait en 2 secondes. Et là, je me suis dit, pareil, un petit top rose, ça ira avec pas mal de choses, ou sous mes pulls, ou machin. Je trouvais que ça lui allait bien aussi. Voilà. Ça, je suis venue à bout de mon coupon. Alors, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus, l'avenir à bout de mes coupons. Donc, celui-là, c'était une viscose, donc je le voyais pas spécialement pour une couture bébé, mais sinon, là, les prochains, je me suis dit, tiens, ça ferait une jolie petite robe, une petite tunique pour Cléo, ce genre de choses. Donc, voilà. Je vais essayer d'utiliser mes coupons, ça va éviter que la partie de mon armoire à tissu reste, hein, parce que j'ai une partie avec que les restes, explose. Voilà. Là, il serait temps de ne plus remplir l'armoire à tissu et... pas non plus l'armoire de reste. Alors, je vous essaye ma petite chemise. Le caraco, vous l'avez vu porter dans toutes ses couleurs. Donc, voilà, je vous essaye la petite chemise. Alors, donc voilà ma Scarlett modifiée. Donc, je suis très, très contente de ce petit col. Voilà, je trouve qu'il tombe bien. J'ai plutôt pas trop mal réussi, je suis contente. Je trouve que les manches, j'aurais pu plus les élargir. Et puis... je crois qu'il va falloir que je me fasse à l'idée qu'il faut que je mette des élastiques plus larges. Je ne sais pas si juste... Mais je pense aussi qu'elles ne sont pas assez bouffantes, vous voyez. Je suis partie droit et j'aurais peut-être dû élargir. Voilà, parce que là, je trouve qu'elles sont juste... ouais. Et là, l'élastique est peut-être un petit peu trop serré. Voilà, mais sinon, j'aime beaucoup l'ensemble et je pense que ça... Enfin, pas avec la jupe, mais j'aime beaucoup le résultat final. Et ça va être une petite chemise que je vais avoir plaisir à porter. Et cette idée là du col là comme ça, je vais certainement la reprendre. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je suis assez contente de cette petite modif pour le col. Les manches un petit peu à revoir peut-être, mais dans l'ensemble, tout va très bien. Et vous voyez que sinon, on voit bien que le patron tombe très très bien. Voilà quoi. Et là encore, les explications sont vraiment bien et détaillé et permettre justement d'avoir une jolie finition pour un col comme ça qui n'est pas toujours évident quoi. Donc voilà pour cette petite chemise rétro.
Alors ensuite, j'ai voulu quand même tester un modèle de mon livre Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot, qu'on retrouve sous Charlène Hens sur Instagram, et voilà. Alors j'ai testé le premier modèle que j'ai testé, et vous voyez, je m'étais un peu inspirée pour celui-là, mais c'est pour ça que je vous dis qu'elles sont pas assez bouffantes de ces manches-là, quoi. Mais on voit qu'elles sont bien plus bouffantes là, donc il faut que je fasse plus, même si je les remonte, ça marchera pas, il faut que je fasse plus de plus large, quoi. Donc je voulais faire ce haut-là au départ, mais quand je l'ai cousu, c'était, je sais plus, il y a 10 jours, quelque chose comme ça, et on était encore en automne, hein, voilà. Donc je me suis dit, non mais je vais commencer par la version manche longue, ça sera mieux. Voilà, donc entre temps il fait super beau et je me dis maintenant il me faut la version manche courte, mais enfin c'est pas très grave. Alors je vous montre, donc c'est la blouse rose manche longue. Voilà, j'ai craqué sur cette encolure carrée et donc bah, je me suis dit je vais la faire manche longue, j'aurai bien le temps de faire la manche courte après, entre temps, je ne suis pas certaine mais bon. Donc c'est dans le livre il y a toutes les planches patron qu'il faut décalquer. Elles sont, c'est pas les planches à décalquer les plus claires du monde. Vous voyez, les couleurs sont pas forcément. Ça aurait été bien d'avoir un peu de vert. Et puis, heureusement, j'avais regardé le podcast de Les Cousettes de Lou, je crois, qui justement l'avait faite et qui disait ah bah tiens, parce que j'ai pas vu du tout le repère pour la fente. Et du coup ça a attiré mon attention là-dessus et quand j'ai décalqué j'ai effectivement fait attention et heureusement qu'elle avait dit ça parce que je serais passée à côté aussi. Vous voyez la manche là, il y a une fente de manche et en fait c'est sur le patron c'est une forme de pince quasiment et effectivement ce repère tombe, ça correspond quasiment à une autre pièce, je sais pas quel autre modèle, mais à l'endroit où il y a une pince pour cette autre pièce. Ce qui fait que les deux se mélangent, et honnêtement, il doit y en avoir un qui est bleu, un qui est noir, on voit pas. Enfin, voilà, on voit pas trop les différences de couleurs, et franchement, je serais passée à côté, moi aussi, en décalquant, si j'avais pas eu. Il n'y avait pas Lou qui avait attiré mon attention là-dessus avant. Donc, merci à elle. Et je vous conseille d'aller voir, elle déduit de la couture, elle fait plein de petites. Elle fait beaucoup de trucs sympas, et j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Donc voilà, du coup, bon, faire un peu attention à un décalquant, mais sinon le reste va bien. Et par contre, les explications sont bien. Vous voyez, il y a des schémas, des photos pour tout, pardon. Et puis, il y a pour des parties, genre justement comment faire la fente en déchirable, il y a à la fin un petit cahier technique où on peut retrouver toutes les descriptions, etc. Donc voilà, mis à part ce petit truc. Vous voyez, la fente indéchirable, elle est vraiment bien décrite. Où on a eu du mal à retrouver le repère, le reste est très très bien. Je l'ai cousu en taille, mon Dieu, je ne sais plus. J'ai du coup dans taille 38, hein, comme d'habitude. Voilà, la réalisation est assez simple, si ce n'est l'encolure là, qui est carrée. Voilà, qui demande vraiment de bien bien cranter. Je ne suis pas. Voilà, je trouve que j'aurais pu mieux réussir ça, mais ça sera pour la prochaine fois, hein, on va dire. Alors, je vous montre ma version, hop, qui est dans ce joli voile de coton que j'ai acheté à Pauline, la mercerie La Rochelle. Voilà, voilà. J'aime beaucoup parce qu'il y a ce mélange de bleu, rose et jaune, là, des couleurs que j'aime beaucoup. Et alors, tout ensemble, en plus, je trouve ça très gai, c'est pareil, ça faisait un peu petite maison dans la prairie, ça me plaisait bien. Et ça allait bien, je trouve, avec l'encolure carrée. Donc le patron est relativement simple, hein. On a un devant avec quand même des pinces. Là. Le dos, on retrouve cette encolure carrée. Les manches qui sont donc un peu bouffantes. Voilà. Et alors les manches longues qui finissent donc avec effectivement une fente indéchirable. Là, et puis de longs poignets. Alors j'ai hésité entre des boutons jaunes et roses. J'ai choisi jaune. Quand j'ai eu fini de coudre les 6 là, je me suis dit rose aurait été mieux.
Mais bon, j'avais ces jaunes-là qui allaient très très bien. J'avais la flemme surtout de refaire et de mettre des roses. Et puis, je sais pas. Rose, jaune. Je me dis que ça dépendra aussi avec quel gilet je le mets. Voilà, pour l'instant, je l'ai mis sans gilet, hein, donc on verra. Et donc, l'encolure carrée. Donc, l'encolure carrée qui est faite donc, de l'encolure en elle-même carrée et de la parementure qui est donc de la même forme. Et voilà, la difficulté réside dans les angles qu'il faut bien faire. Et bah forcément, il y en a un, celui-là, il est pas mal. L'autre qui est un peu moins bien réussi. Bon, c'est pas trop mal quand même, mais c'est pas parfait. Et pourtant, avec un voile de coton comme ça, il y a un peu de tenue quand même, ça va. Moi, j'ai choisi de fixer après par une couture à la main, parce que là, je me suis dit, la surpiqûre, là, ça va pas être possible. Enfin, je vais pas réussir à faire un truc suffisamment propre avec une surpiqûre à la machine, quoi. Donc, j'ai choisi de la finir avec une couture à la main. Voilà. Donc, voilà. Mis à part le col où il faut faire attention, parce que ouais, c'est pareil, quand on retourne les pièces, l'idée c'est quand même qu'on retourne bien la pièce pour pas voir à l'intérieur. Elle propose pas de sous-piqué. Peut-être la prochaine fois je le ferai. Et alors est-ce qu'elle le propose pas? Parce que c'est vrai que avec les coutures en angle, c'est pas forcément évident, mais je pense que voilà, je le ferai. Ça facilite quand même, ça rajoute une étape, mais en fait qui après facilite les choses, quoi. Donc voilà. Et du coup, bah maintenant, il faut que je fasse la version manche courte, hein. Puis j'ai très envie aussi de faire la robe. C'est pas la fin des encolures carrées, j'aurai de quoi m'améliorer. Alors, je vous la passe. Alors, vous voyez, je trouve qu'elle tombe vraiment bien, cette encolure là, carrée. Hein, pas trop basse, c'est pareil. Et voilà, ça fait très 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 mini pinson. Avec les petites manches bouffantes, les poignets qui vont bien. Voilà, ils sont à la bonne taille, hein, bien assez resserrés, mais pas trop. Hein. Voilà. Les manches bien bouffantes. Donc voilà, je suis ravie du tombé de ce modèle. Et ben, hein, ça va être bien joli en manches courtes pour l'été. Et puis en robe aussi. Et alors c'est vraiment agréable à coudre, hein, le voile de coton là, parce que bah, c'est plus facile à coudre que de la viscose, c'est quand même léger, il y a un peu de fluidité. Voilà. C'est trop mimi ces petites couleurs. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai hésité, c'est que quand je l'ai fini, là, j'ai posé à côté de ça et je me suis dit, bon, et en fait c'est idiot parce que ça, je vais pas le mettre en dessous de celui-là, on va pas faire manche bouffante sur manche bouffante. Mais je m'étais dit, là, des petits boutons de cette couleur-là, ça aurait été joli aussi. Mais au final, jaune, c'est sympa aussi. Attention, tapez un pour bouton jaune, tapez deux pour bouton rose. Bref. Voilà pour cette petite blouse que, voilà, qui me donne vraiment envie de poursuivre les réalisations de ce livre. Alors, la dernière pièce que j'ai cousue, c'est une robe, la robe Peony de Atelier 8 Avril, Pauline, sur laquelle j'avais craqué. Quand j'ai vu la photo sur Instagram, je la trouvais vraiment chouette cette robe. Et puis bon, elle va vachement bien à Pauline. Et donc je m'étais dit comme ça, tiens, pourquoi pas la coudre, hein? Voilà. Pauline m'a gentiment proposé de me l'envoyer. Donc bah, j'ai accepté avec plaisir. Et puis, entre-temps, il s'est passé un petit peu de temps. Donc finalement, j'ai choisi de coudre la version manche courte. Et on retrouve les fameuses manches que j'aime bien. Voilà. Bref. Par contre, c'est une robe qui nécessite beaucoup de métrage. Donc là, j'avais pas en stock énormément de choix. Mais heureusement, je suis retombée sur ce tissu Atelier Brunette que j'avais acheté. Ah, je vous le donne en mille, c'est même pas fait exprès. Chez Pauline de la Mercerie La Rochelle. Ça doit être l'été dernier. Non, oui, l'été dernier, dans l'idée de me faire une robe longue que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais voilà, maintenant c'est chose faite. Par contre, je pense que du coup, c'est un crêpe peut-être qui. Il est fluide, mais peut-être c'est peut-être un voile de coton. Là, pour le coup, il irait mieux au modèle, je ne sais pas. Donc, c'est une robe qui. Alors, c'est un patron. Enfin, le patron est en PDF, donc je vous mettrai la petite photo. Et vous verrez que c'est une robe, c'est la fête du volant, la fête du froufrou, il y en a partout.
Donc voilà, faut aimer faire des fronces, quoi. Hein. Alors, je vous montre la robe, parce qu'on n'a pas le... Voilà. Et, mais qui ne rend rien comme ça. Si ce n'est qu'on voit qu'il y a du volant partout. Hein, il y a cette encolure un peu cache-cœur, très jolie. Vraiment, c'est impossible à montrer. Avec, du coup, le volant. Un petit col en plus avec un volant. Donc les manches qui se finissent par un volant. Et à la taille, un volant. Et puis on a la jupe qui est toute simple, mais qui finit par un volant aussi. Donc autant vous dire que les fronces, voilà. J'en avais un peu marre. Quand j'ai commencé cette robe, je me suis dit, oh là, il va me falloir beaucoup de temps, ça va être un patron un peu difficile. Voilà, j'avais l'impression que le modèle fait quand même assez travailler, qu'il y avait plein de choses, etc. Alors en fait, mis à part que effectivement, il y a beaucoup de volants à faire et que donc il faut aimer faire des fronces et s'appliquer pour bien les répartir, etc. C'est pas compliqué, sauf cette étape-là, là. La pose du col que du reste du coup j'ai pas réussi à faire comme elle le préconisait puisque donc on vient donc faire le début le haut est pas compliqué, on commence par faire les pinces, on coud les épaules et puis les côtés, là rien de compliqué. Ensuite on vient faire le volant là d'encolure, donc là c'est deux bandes cousues ensemble foncées, etc. Et puis on vient le coudre à l'encolure par un biais. Voilà, un biais rapporté, mais qui ne fait pas toute la... qui s'arrête là, vous voyez, à peu près. Puisqu'après, on est censé finir l'encolure par, justement, le col, là. Et le col, il faut donc... Bon, bah, on a à nouveau un volant qu'on vient insérer dans les deux parties du col, hein, endroit et extérieur. Et puis, on doit, après, venir le coudre à nouveau à l'encolure, venir faire mourir la couture et faire un rentré. En fait, normalement, on ne devrait pas avoir là le surjet. Moi, j'ai pas réussi à faire un truc propre comme ça. Voilà, alors est-ce que j'ai pas non plus peut-être assez cherché. Et puis surtout, j'ai écrit un petit mot à Pauline en lui disant « j'ai un peu galéré ». Elle m'a dit « mais il y a une vidéo ah, !» C'est ballot. C'est ballot que je m'en sois pas aperçue avant parce que effectivement il y a une vidéo pas à pas où vraiment elle nous montre toutes les étapes donc la vidéo d'ailleurs assez longue donc vraiment ça suit vraiment les étapes, il n'y a pas de tellement d'accéléré ou de coupure ou de machin et donc ça m'aurait bien servi quoi. Vraiment, j'ai même pas pensé à aller voir s'il y avait une vidéo et c'est un peu donc il y a une vidéo sur le site de la marque. Donc atelier 8 avril où quand on alors moi je l'ai trouvé sur la site du patron PDF mais bon je suppose qu'elle est aussi sur le patron pochette, il y a à la fin vraiment une vidéo qui a un lien qui renvoie à une vidéo YouTube et où elle explique tout pas à pas, donc ça m'aurait bien servi. Bon après là du coup j'ai réussi à me débrouiller mais c'est pas la finition proposée, elle est plus propre la finition proposée. Voilà. Donc ensuite, bon bah la jupe c'est relativement simple, hein, c'est deux trapèzes auxquels on vient coudre un volant, oui, le volant qui lui est fini par un double rentré tout simple. Et puis, alors là j'ai un peu hésité, je l'ai fait parce que je me suis dit, allez, je verrai. Mais je me suis demandé si je le mettais ce volant à la taille, c'était pas too much quoi. Et puis en plus voilà, j'avais peur de ça. Alors quand on le porte, ça tient mieux. Et puis elle dit que sinon, on fait un petit point pour le maintenir. Donc je pense que je ferai ça quand même, quoi. Voilà, mais je me suis demandé si c'est... Et en même temps, je trouvais que c'était quand même joli et que sans le volant... Voilà, mais je pense que ça peut être joli sans le volant aussi. Puis là, j'avais envie de faire une version full volant. Donc je l'ai quand même maintenu le volant sur les côtés. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse des petits points aussi devant pour le maintenir bien. Donc le volant, là, c'est encore deux bandes cousues ensemble. Il y en a une qui est entoilée pour que ça se maintienne mieux. Alors, c'est pareil, je pense que mon tissu, là, c'est un crêpe, ou peut-être j'ai choisi un entoilage un peu trop rigide, enfin, je sais pas. Bref, et donc on vient coudre à la taille
voilà, quand on réinsère le truc. Et puis, on a une coulisse pour mettre un élastique. Donc là aussi, la vidéo aide bien pour cette partie-là, parce que pour les explications, j'ai eu un petit peu de mal, mais la vidéo, là, du coup, c'est pratique quand même. Donc voilà. Donc au final, vraiment, je m'attendais à mettre très très longtemps. Et est-ce que ce soit plus difficile que ça? Je vous dis, à part le col là où vraiment j'ai un petit peu galéré, le reste c'est simple, il faut juste prendre son mal en patience et faire des fronces à tout va. Voilà. Donc je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc vous voyez, je trouve ça très joli là, cette encolure avec le petit col en plus. Je trouve que c'est vraiment un petit côté sympa en plus. Il faut que je fasse un petit point pour maintenir, voilà, comme souvent avec les robes cache-cœur. Mais sinon, je trouve que le décolleté est très joli. J'aime beaucoup les manches. Je trouve qu'elles ont le bon bouffant, la bonne proportion, la bonne longueur, voilà. Et puis, bah, vous voyez, je trouve que ça tombe quand même, quoi. Donc là, bah, enfin, elle le dit bien, hein, qu'il faut faire des petits points. Donc, j'en ai fait sur le côté en me disant ça suffira. Puis là. Mais en fait, j'en ferai aussi devant. Mais j'hésite même à faire, voilà, à maintenir un peu tout autour, parce que sinon je trouve que ça, je pense qu'il faut que je maintienne un peu tout autour, quoi. Ouais, même derrière, hein. Même derrière. Et je pense que si c'est maintenu un peu tout autour comme ça, ça sera plus plus joli. Voilà. Par contre, je trouve que sinon elle va bien, elle est agréable à porter. Après, ça peut faire un style tout comme ça de moi là, je vois. Mais... elle est très sympa et ça fait bien une robe d'été. Voilà. Juste un petit doute pour ce volant là. Est-ce que si je l'avais pas mis, ça aurait été peut-être un peu moins sympa. Je pense qu'il apporte quand même quelque chose. Mais peut-être à maintenir un peu plus. Hein, il se tient pas assez. Moi, bon, et je pense que c'est aussi dû au tissu, parce que sur sa version à elle, il se tient mieux. Et là, je pense que le tissu est pas assez ou trop souple, ou au contraire, je sais pas. Mais je pense que voilà, je vais faire une petite piqûre là tout autour pour maintenir. Ça sera plus joli. Voilà. Bon, du coup, il faudra que je vous remontrerai ça la prochaine fois. Mais je trouve le tissu très très joli. Et vraiment, ce petit col là, c'est adorable. Et ça, je me dis du coup, vous voyez, en faisant même juste une version blouse. Donc après, je sais pas comment finir là, à réfléchir. Mais ça peut être hyper un peu victorien. Là. On retombe dans l'école victorienne. Voilà, j'aime beaucoup. Ça fait le côté col montant, mais sans être partout. Très très joli. Très très joli. Voilà, donc pour cette robe Peony, donc je suis ravie d'avoir tenté. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime beaucoup le haut. J'ai un petit doute pour ça, mais je pense qu'en la maintenant bien, je vous en reparlerai la prochaine fois. Je vous montrerai une photo. Donc voilà, je ne l'ai pas portée, comme vous avez compris, puisque je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Et puis, elle n'a pas fait beau, quoi. Elle n'a pas fait beau. Et j'avoue que je me pose aussi la question. En même temps, ma grand-mère, je sais que vous aimez bien ma grand-mère, me disait qu'on n'est jamais trop habillée. Mais si elle ne fait pas trop habillée, quoi. Voilà. Qu'en pensez-vous, là aussi? Bon, je crois qu'il est temps que j'arrête là, je vais commencer à dire des bêtises. Voilà, c'était encore un long épisode parce qu'il y avait pas mal de couture. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages, des petits commentaires. Il faut que je rattrape mon retard, mais promis, ça me fait toujours énormément plaisir de les lire. Et j'y réponds même 3 mois après. Merci beaucoup à vous de m'avoir regardé, merci pour tous vos gentils messages et tout ça, et je vous dis à bientôt, et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux, cela va être en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.